Alors, comment agir avec les amis, la famille qui n'y croient pas qu'on peut rentabiliser la décoration des fêtes? Tout simplement, vous allez faire attention de ne pas partager trop ce que vous faites avec ces gens-là. Donc, vous allez partager vos réussites, vos démarches, parce qu'on a le goût hein, de parler. Comme je disais, c'est notre bébé, on a le goût de parler. Donc, avec qui on va parler? Avec ceux qui nous encouragent, ceux qui nous envoient de l'énergie positive. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on va arriver, par exemple, dans une fête de famille, et là, il va y avoir une qui vient nous voir, il dit, ah, mais là, comment ça va ta business, là? Ça va bien? Tu réponds, oui, ça va bien. Point final. On ne développe pas plus. Parce que plus on parle, plus la personne va nous poser des questions, plus elle va commencer à critiquer certaines choses. Et là, c'est une énergie négative qui va venir. Ça ne nous intéresse pas. Donc, si c'est des gens qui sont là pour vous encourager, qui vous sentez une énergie positive qui vient de cette personne, vous allez partager vos pensées avec. Si c'est des gens que vous sentez que les commentaires ne sont pas bienvenus, l'énergie n'est pas bonne, tout simplement, vous dites oui, ça va bien, merci. Point. On ne développe plus la conversation. On change de sujet. Et là, les trucs pour changer de sujet, c'est que vous posez une question à la personne et là, vous commencez à parler d'elle au lieu de parler de vous. Hein? Pas plus compliqué que ça. Donc,